de Claudia. Ouh là là, c'est long. Alors en fait. Pourquoi ma créativité est-elle en berne? Mes idées aussi. Une respiration et on relâche l'air. Alors derrière ta question, il y a aussi la question de l'amour, le chakra 2, créativité, relation amoureuse. Sexualité. Pourquoi je ne m'abandonne pas à la vie, à l'univers? Pourquoi j'ai la croyance que quand une relation s'arrête, c'est un échec? Parce que dans ton texte, tu parles d'un échec d'une relation au bout de 17 ans, comme si la séparation était un échec. Or, la séparation n'est pas un échec, c'est le succès. Eh oui. Qui voit la séparation comme un échec? Moi, je la vois comme un succès. Un succès car l'expérience est terminée et une nouvelle expérience peut naître. Après la mort, la vie. Après la fin, le début. D'où vient cette croyance qu'il faut rester infiniment avec la même personne, alors que l'objectif entre guillemets de la vie, c'est l'alchimie, c'est être fusionné. Mais une fois que la fusion est effectuée, une fois que l'alchimie est faite, une fois qu'il n'y a plus rien à apprendre, eh bien il est logique, normal, tout à fait sain de passer à la suite. Donc derrière ta question, il y a pourquoi je me suis castré, pourquoi j'ai nié ma vérité, pourquoi je me suis forcé à être avec quelqu'un que je n'aimais plus, ce qui a bien évidemment castré ma créativité. Et donc ça se résout par s'autoriser à être soi, s'autoriser à changer d'avis. S'autoriser à changer de partenaire si besoin, ça se résout par refuser de se forcer. Une inspiration. Il y a derrière la vraie question, pourquoi je devrais me forcer à être avec quelqu'un que je n'aime pas? Pourquoi je ne peux pas créer de l'espace pour moi? Pourquoi je ne peux pas faire le point et m'abandonner à moi-même? Une inspiration. Pourquoi j'ai de la culpabilité en moi? Dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. À moi-même, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je te pardonne tout, tu es innocent, tu n'es coupable de rien. J'élimine la croyance que je suis coupable de quelque chose.
Je suis belle. Je suis beau. Je suis magnifique. Je suis la création. Je purifie maintenant tout ce qui m'encombre. Je purifie dans la lumière toute énergie négative, tout regret en moi. Je suis vierge. Gratitude de créer. Gratitude de laisser la vie vivre, créer à travers moi. J'active maintenant la passion. Je suis la passion de la vie. Je vis ma vie maintenant. Merci beaucoup, merci. C'est une super question, comme toutes vos questions. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci pour toutes ces belles musiques. Alors je publie sur...